commence tout de suite dans le vif du sujet avec les finales du sol masculin et ce jeune Canadien, Brandon O'Neill, 22 ans, est très prometteur sur la scène internationale. Brandon O'Neill, le Canadien, grand spécialiste des exercices au sol. Vous allez le voir avec cette première diagonale. Double vrille et demi, vrille et salto avant et demi, juste en réception au bout du praticable. Double vrille avant ici. Le travail au sol, exercice de souplesse. Grand écart. Voilà, épreuve d'équilibre ici. L'appui tendu renversé. Un exercice en arrivant en roulade d'avant, le twist et demi tendu. Et la fin, en tout cas, c'est un double salto arrière avec vrille. Un bon passage pour le Canadien Brandon O'Neill, qui est le vice-champion du monde en titre au sol. Il a été vice-couronné à Melbourne en 2005. On le revoit ici au ralenti. L'image de sa première diagonale. Double vrille et demi, regardez l'impulsion pour repartir en vrille groupée. Et un salto avant groupé et demi, arrivé en roulade. Dann vierter in Gleitflugstudie sehen, da ist sie und 15,4 ist der Wert für den Kanadier. 15,425. C'est une bonne note, hein?